وكنرجعوا للمباراه شفتي المباراه كانت في مستوى لاعبين جميع قدموا مباراه كبيره قدرنا خلقنا واحد مجموعه الفرص ما قدرناش نترجموا من الاهداف مي راه لاعبين كونتر ادفيرسير اللي هو فريق اللي جيد فريق اللي كيقدم مستويات كبيره هذا الموسم ما وصلش الدومي فينال بالصدفه كيف كنقولوا فبرافو على اللعابه ومازال ان شاء الله مازال مباراه الاياب ملعوبه على جميع الاحتمالات فكنتمنى ان شاء الله في ديك المباراه نكونوا في الجورجي ان شاء الله ونقدموا مباراه كبيره ونرجعوا للتعاون ان شاء الله. Oui, très difficile, mais ça on savait. C'est pas pour rien qu'ils ont acheté pour remporter le Champions League. C'est pas pour rien qu'ils voulaient être champions déjà il y a quelques semaines pour se concentrer à 100% sur les demi-finales et finales de Champions League. Et en plus, ils ont envoyé quelqu'un pour visionner déjà 4 semaines notre équipe, Espérance Tunis et Al Ahly. Donc ils ont quelqu'un sur place sur les 3 villes pour analyser l'adversaire. Donc ça veut dire qu'ils ont tout mis sur le Champions League. Maintenant, moi je dois féliciter mes joueurs parce qu'ils ont mouillé le maillot dès le début jusqu'à la fin. Tout le monde qui est rentré aussi. Donc ça donne confiance. C'est vrai que eux, tu vois quand même qu'il y a plus de structure et organisation et automatisme dans leur jeu que chez nous. C'est normal avec tous les changements cette année. Mais une semaine de plus qui arrive maintenant, ça me donne plus de confiance encore pour sortir là-bas parce que c'est un résultat qui tranche pour les deux équipes. 0-0, c'est compliqué pour les deux côtés. Et c'est eux qui doivent encore gagner chez eux pour nous battre. Et nous, on peut en tout calme partir là-bas et faire notre jeu.